Re YouTube, bon, ça y est, je suis allé faire un petit pipi, je suis allé chercher mon thé, donc on peut repartir sur Horizon. Le jeu qu'il est bien, le jeu qu'on s'arrête pas. Par contre, j'irais bien chercher le feu de camp qu'il y a là. Est-ce que vous pensez que je peux me jeter de la falaise? Plutôt que de me retaper tous les combats, parce qu'ils ont tous repop. Hein. J'ai comme l'impression que ça va être compliqué. Hein. Oh là là, oh, y a une crevasse. Ah! Qui vise là? On s'en fout. Et re-auto. Alors, le feu de camp. Nickel. Je l'ai eu. Il y a un petit marchand là-bas, mais il est tout seul. Ah non, mais il y a du monde quand même. Y a pas beaucoup de monde, mais il y a du monde. Ah, le marchand encore après. Vas-y, file-moi ma boîte. Et qu'est-ce que je vais pouvoir te vendre à toi? Oh, vivement que j'ai pu garder tout ce merdier là. Hein. Ça, je peux vendre. J'ai 4600 balles. Oh là là, mais faut que j'achète des trucs. Hein. Ah, mais je peux peut-être acheter des trucs. Attends. Attends, attends. Les crasheurs boursouflés, j'en ai tellement. J'ai cassé la gueule à tellement que c'est ok. Ça, je peux acheter maintenant. Nice. Ça, je peux acheter maintenant. Nice. Et dans les armes, qu'est-ce qui me manquait dans les armes? Oh, il y a une peau de lapin, ta maîtresse en maillot de bain là. Avec le cœur de carapateur. Nice. Bon bah voilà, ça c'est fait. Tu veux le faire à 100% je... Non mais je suis bien parti pour le faire à 100%. Alors je m'étais pas fixé d'objectif en fait en le commençant. Et finalement, ouais, non, je suis tellement dans le jeu et je le kiffe tellement le jeu que oui, c'est sûr que ça va être du 100% quoi. Mais en même temps, ça va vite, hein. Regarde, progression dans le jeu, je suis déjà à 63%. Alors 38 heures, c'est ok.
Alors, grilleuse, les machines démoniaques, je les ai eues aussi. Ah, ça, c'est les machines du DLC. Ah, c'est pour ça, en fait, qu'il y a un trait bleu dessus. C'est parce que c'est les trucs du DLC. Et donc, le mastodonte, ça y est, je l'ai eu aussi, quoi. Hors DLC, il m'en reste pas, bon, il m'en reste pas beaucoup, hein. Gueule d'oiseau, enfin les gueules d'orage, les oiseaux tempêtes. Honnête. Ah non mais évidemment. Toujours. Vous le savez, toujours. Donc évidemment. Ligoter de grosses machines. Ligoter de petites machines. Ligoter des machines de taille moyenne. D'accord, ok. Faut ligoter. Ligoter, il peut pas s'échapper, quoi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah non, il y en avait cinq, en fait. Bon, les histoires. Hein. Soleil et ombre. Faut que j'entende voir Elida. Elida. Hop, et ben j'y retourne. Bam bam. Ah c'est honnête, ah ouais la durée de vie. 36h, 68%, ça... Ah ouais non mais... Pour le 100%, ouais c'est ce qui était prévu, c'est 70h quoi. Et en plus c'est pas de la... Honnêtement... Enfin, honnêtement, je dis honnêtement alors que je kiffe le jeu quoi, donc ça va pas être honnête du tout. Mais... Ça va être totalement subjectif, mais les quêtes secondaires sont intéressantes quoi. C'est pas de la quête secondaire de merde où t'apprends rien, où c'est juste « Ah tiens, regarde, j'ai tel objet, est-ce que tu pourrais l'amener à mon copain ?» En fait, les quêtes sont secondaires, même quand on se dit « Tiens, il va se passer ça, et ben finalement, ils arrivent quand même à nous surprendre. Et là, il y a une quête secondaire que j'ai fait la dernière session, où je pensais vraiment que ça allait être « Bah, on va aller d'un point A à un point B. » En fait, finalement, non, quand t'avances et tu dis « Ah, bah en fait, non, il y a un peu plus. » Et à chaque fois, ça nous apprend un peu plus sur le lore, sur les relations politiques qu'il y a et tout, donc... C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pourquoi j'arrive pas à trouver où elle est. Elle est là. Ne dis rien. Je sais qu'il est mort. Les Karjas de l'ombre l'ont trouvé. Mais sache qu'il ne t'a jamais trahi. Il... voulais que je te donne cette clé. C'est la clé de notre cadenas. Il disait que nos vies étaient liées. Merci de me l'avoir donnée. Pour tout ce que tu as fait. Il a dit que ça valait la peine. Pour tout. Ça va aller? Non. Mais pas pour longtemps. Est-ce que ça veut dire ce que je crois? Elida, non. Regarde-moi. Regarde-moi. Je peux pas imaginer ce que tu ressens. Mais tu n'as pas à traverser ça toute seule. Ton père était brisé quand il te croyait morte. Brisé? Il me traite comme une poupée fragile. Comme son trésor. Non. Sans Atral, je suis seule. Ça ne vaut pas la peine. Non, Elida. Je me suis trompée pour ce qu'a dit Atral. Il n'a pas dit « ça en valait la peine », il a dit « ça en vaut la peine ». Pour tout. Le deuil peut être... dévastateur. Mais il nous rappelle tous ces liens qu'on tisse. Avec Atral. Et même ton père. Atral aurait voulu que tu te souviennes de ça. Que tu continues. Je le sais. Tu veux bien? Je... D'accord. Attends, je vais aller chercher ton père. Tu veux bien lui parler? Je veux bien. J'aurais dû t'offrir quelque chose pour avoir retrouvé Elida. Il y a un problème? Elida a besoin de toi. Écoute-la. Maintenant, va dans le jardin, vite. Oh, bien sûr. J'y vais tout de suite.
Il court vraiment. On peut les écouter. C'est Atral, papa. Lui et moi, on se fréquentait. Ah bah tout dire. Je ne voulais pas que tu... Atral ? Oui, oui, je me souviens de lui. Depuis l'époque où vous étiez tous les deux hauts comme les fleurs du jardin de ta mère. Mais... Et il est parti à l'ouest. Ils n'ont jamais su pour nous deux. Il ne leur a pas dit. Même quand il... Oh, Elida. Pendant que je rédigeais tous ces édits, je pensais... Je pensais que mon travail te protégeait de cette guerre. Ce n'était que des parchemins. Quand je pense que j'aurais pu te perdre. Je suis désolée, papa. J'aurais voulu savoir pendant tout ce temps. Il bug un peu quand même les persos. Mais on va... Je veux... Intimité sur moi. Merci de me donner une seconde chance. Non mais regardez, je regarde pas. Je regarde pas. Non mais je regarde pas. Je regarde pas. Regardez. Je fais... Oh, il est joli cette statue, dis donc. Très très sympa, hein. J'aime beaucoup. C'est du cachemire. Du coton. Ah, faut vraiment que j'y aille à pince parce que j'ai pas de... Si, j'ai des feux pas loin. Mais en même temps, je peux récupérer un mug. Je peux récupérer un mug et une statuette sur la route. Donc on va y aller à pied. Y'a pas un marchand? Ah mais si, le marchand il est de l'autre côté. Merde. Est-ce que j'ai vendu mes trucs? Mais non, mais j'ai vendu mes merdes moi. Je sais plus. Oh, je suis paumé. Je suis paumé mais je suis niveau 40. Hein. Est-ce que je peux pas activer une nouvelle compétence? Allons voir ça tout de suite. Ah bah oui, j'ai 3 points. Et j'avais dit que je prendrais quoi? La riposte, c'est quand l'attaque est... Ah mais renversement, c'est pour ça que le gros tout à l'heure je l'ai renversé en fait. Je me rappelais pas que j'avais pris renversement déjà. Trop bien. Ah là j'avais dit la course silencieuse. Les grosses esquives ça va m'aider parce que c'est vrai que... J'esquive souvent. Et puis la course silencieuse ça va être bien. Non mais vraiment, on court autour des ennemis, c'est tellement bien ça. Ça va être tellement bien. Donc toi il y a Black Mesa. Ah j'avais pas fait gaffe ouais. Effectivement c'était ça. Ça se trouve c'est ça qui a foutu le monde en l'air. Hein. Parce qu'en fait là, y a, voilà, c'est... Ça se passe sur Terre mais dans le futur hein, donc... Et ça se trouve c'est ça en fait. C'est la suite de Half-Life. En fait, c'est Half-Life 3. On le sait pas. Mais c'est Half-Life 3. Tu m'aideras. Plante. On a quoi alors?
On a un dent de scie, un crasher. Les coureuses, elles devraient pas m'emmerder. C'est tout, y'a qu'un dent de scie là. C'est censé être un repère à dents de scie là. Est-ce que je peux l'appeler lui? Ça m'aidera. C'est plus bas, hein. Par où? Par là? Ouais, c'est vraiment par là. Ok. Non, mais ils mettent la musique comme si y avait un combat là. Pas chier quoi. Oh, tant pis pour la prudence. Là on a quoi? Ah, les débris antiques, donc c'est là-bas. C'est sûr. Le rat, y a plus besoin. Ah, le raton, y a un raton là. Ah, genre, il a senti que je voulais lui casser la gueule. Hein. Il me voyait pas, mais il a senti un truc quoi. Elle est bien fraîche. Peau de raton, artisanat. Ah, il me faut une peau de lapin. Là il faut quoi? Là c'est bon. L'os de dinde, la peau de dinde. Ah c'est quoi? Peau de lapin et la peau de dinde. Ok, donc il faut que maintenant que je bute des lapins et des dindes. Alors les dindes c'est pas ce qui manque. Hein. Aucune blague ne sera admise suite à cette phrase. Attendez, là j'ai des débris, là j'ai quoi? Je vais tellement me faire griller à un moment ou à un autre là. Non ? Oh non non non, on t'a rien vu. Mais merde, j'étais pas accroupi. Putain, l'autre. Non mais genre l'autre il m'a vu en deux frames. Qu'est-ce qui m'a sauté dessus? Nice. Oh non, je pouvais l'avoir. Je vois rien.
Ah mais le renversement par contre c'est vachement bien. Hein. Le renversement c'est tellement bien quoi. Merde. Hop. C'est bien aussi. C'est bien aussi. N'empêche qu'il s'entendrait bien avec sa muse, c'est clair. Hein. Merde, oh là, tellement au-dessus. Ah, il est gelé. Ouh. Bon, voyons un petit peu ce qui reste. Le machin il fume encore quoi. Un bon bain chaud dans une bonne auberge. Ah lapin. Lapinou. C'était pas une peau de lapin qu'il me fallait ? Bah si. Peau de lapin. Hop. Là une peau de dinde. Bon du coup le mug. Il est où le mug ? Pas de mug ici. Merde. Ah, il est là. Il est là le mug, regardez. Hop, on attrape ça. Et paf le mug. À côté c'est bien, on a en plus un petit carnet en plus là. Cool. Bon ça c'est fait. On va aller s'intéresser à la petite statuette. N'oublions pas les dindes. De Gladelfera. Gladel Ferrara, l'acteur.
Ah oui, ok. C'était facile quand j'étais petite. Nullbug, voyons. Putain, Alors là, j'ai écouté Nullbug il y a... Ouf. Moultes années. J'étais encore jeune. Jeune et innocent. Donc je t'avoue que mes souvenirs de Nullbug sont loin, 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 loin. Loin, loin. Loin, loin. Et bah voilà. C'est pas beau, en plus on a même pas eu besoin de grimper, on est juste descendu. Normalement on fait l'inverse. On aurait dû monter le truc. Mais étant donné qu'on est arrivé d'au-dessus, bah, on n'a pas eu besoin. Mais du coup, est-ce que je me tape toute la route? La réponse est probablement non. Parce que je peux repartir d'ici. Ah oui, le fameux camp de bandits. le fameux camp de banditos là, que j'ai bien foiré. Il y a 15 ans, j'imagine. Ouais, c'est à peu près ça, j'imagine. Ouais. Je l'ai eu là, le marchand. On va aller là. Allez, on va là. Comme ça, on prend le feu de camp qui est ici. Et après, on va à Black Mesa. Puis après, si on veut, on pourra s'attaquer à la fleur de métal qui est là. C'est pas une mauvaise idée. Allez, go! Devrait en profiter pour les achever. C'est vrai, c'est le fameux feu de camp où je peux monter dessus. T'as pris, d'autres boivent. Moi, je préfère prendre un instant pour rêvasser. Eh ben écoute, gars, c'est vachement bien pour toi. Je suis content. Je pourrais rester assise toute la journée. Dindono. Non, c'est une noix. Aïe. Je mangerai ça plus tard. Y a pas que les dindono finalement. Euh, 700 mètres, non. Ok, le feu de camp est découvert. Excellente nouvelle. Maintenant, je peux couper. À travers bois. Il s'est passé là. Parfait pour un remède traditionnel. Pourquoi tout est déforestisé là? Et du coup, c'est quoi la rêve dans Nullbug alors? Ça se gardera. C'est les statuettes de Gladolfera. Ok. Ça me parle absolument plus.
Raton. Oh, les animaux les plus rapides de la création quand même. Hein. Les ratons, ils vous voient à 12 bornes. Ils sont déjà partis. Hein. Ah, il y a des connards là-bas. On va dire qu'on s'en fout un peu hein, des connards. Ils nous intéressent pas. Ça du couchant. Maintenant, il faut que je trouve un endroit haut perché, si j'en crois ce que dit Fernund. Je fais pour monter. Je veux monter. Ah si c'est là. Hein. Je sais pas si j'arnaque le jeu ou pas là. Hein. C'est pas très clair. Hein. Alors ça. Yep. Et c'est vide. Fille à la lance. Tiens donc. Tu l'as trouvé. L'endroit idéal pour une embuscade. Maintenant, donne-moi cette extraordinaire lance et on te laissera vivre. Tu as entendu parler de moi. Tu sais ce dont je suis capable. Comment tu peux espérer t'en sortir? Je tente ma chance. Sur elle! Pourquoi je m'embête? Faut que je les bute, faut que je leur échappe. Attendez, mais ils sont trois. Je vais regarder un truc par contre dans mes quêtes. Ah, y'a que des machines quoi. Ah, tuer plusieurs ennemis avec une bombe explosive. Est-ce que je peux pas les buter tous les trois là, en même temps? Tac tac tac. Ils seront trop éloignés les uns des autres. En même temps, ils sont cons. Hein. T'as quelque chose ? Ils sont vraiment très cons.
Les acteurs font preuve d'une conviction digne des feux de l'amour quand même. Oh, allez. Chier quoi. Tu me cherches ? Regarde, je suis là. Ah, il y en a d'autres. Dont certains qui savent pas viser. Comme moi. Filet. Au quai de Méridion, je suppose. C'est dommage, j'aurais pas pu buter les trois. En buter trois en même temps, quoi. Oh, il y en a un qui avait pas de sacoche, quoi. C'est peut-être une fille cachée de Victor Newman. Je crois qu'il en a, il en a un paquet, non? Je vais chercher le... Le marchand, là, que j'ai pas rencontré encore. Évidemment, j'ai pas noté. Tac. Bientôt je pourrais courir comme ça et pas me faire repérer quoi. T'as le marchand qui est là et tout se passe bien quoi. Hop, les clés de bagnole, le collier, le tire-bouchon. J'ai tout vendu. Il y en a combien, des filles cachées, Victor Newman, dans les feux de l'amour? Est-ce que vous le savez? Est-ce que Victor Newman lui-même sait combien il a de filles cachées? Ah là, quelque tard ce Victor. Principe des enfants cachés. Ouais, mais tu le. Enfin, oui, mais dans les feux de l'amour. Enfin, j'imagine que dans l'heure des feux d'amour, à un moment, il est forcément au courant, tu vois. À un moment, il l'apprend, forcément. Le. Ah! C'est bon. C'est bon?
Oh, pas vu. Je pense que même les scénaristes savent pas, ils doivent pondre des scénars au pif. Je viens de découvrir que la série n'est toujours pas finie. Bah non, bah non. 12178 épisodes, c'est quand même assez ouf. Hein. Ah non, 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 la série n'a juste pas de fin, quoi. Plus long cette série, Hôpital Central, 14835 au 3 septembre 2021. Et d'ailleurs, si tu veux commencer la série maintenant, tu fais comment? Bah, tu passes de 3. Les saisons, tu. Enfin, voilà. Tu sais, quand il y a des séries où. Bon, tu peux passer quelques épisodes. Je pense que dans celle-là, en fait, tu peux passer des saisons entières. Il y a non, mais la saison 2, c'est ok. La saison 2, tu peux la passer. Il se passe pas grand-chose. Ok, site des trackers, c'est parfait. J'ai découvert les trackers. Merci, mais je les teste. Donc non. Oh, j'aurais dû découvrir mais tout à l'heure. Mais oh, je suis trop con. Je suis trop con, en fait. J'aurais dû aller jusqu'au feu. Oh, c'est con, ça. Ça, c'est bien ballot. C'est bien ballot de chez ballot. C'est bien ballot de chez Dommage. Est-ce qu'ils vont revenir? Vous pensez que là, si je... Ouais, mais je peux contourner cette fois-ci. Oui, non, cette fois-ci, je peux contourner. Ah oui, 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 je peux contourner. Donc ça, c'est du tracker, évidemment. Allez, go. Et la production, ça se passe comment? Ils ont 40 équipes de tournage. Non mais c'est des séries qui sont super, super vieilles aussi quoi. Ah ils sont revenus. Maîtresses vont être trempées. Maîtresse, oh ma maîtresse. Non c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais tout à l'heure il faisait beau. C'est quoi ce temps normand là? Thionard? Parce que c'est l'hebdomadaire, non, je sais pas. Temps normand et dire que vous vous moquez de la Bretagne. C'est pas la même chose? Et non. Ce ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont un chouïa moins alcooliques que les autres. Mais je vous laisse découvrir. Je vous laisse évidemment découvrir qui est qui.
Ah non, d'accord, il est à l'étage en dessous encore. C'est quoi ce bordel? J'entends vachement de bruit et je vois personne là. Avec ce temps de merde, je vois absolument rien. Eh, vous avez vu que le jeu il marche avec le micro. Hein. Je dis que le temps est merdique, paf, ça se lève quoi. Normandie, c'est un peu la banlieue de la Bretagne, c'est la banlieue des saletés de Parisiens surtout. Hein. Chez moi, on mesure en quantité de chèvres. Parce que les gens sont pas cons, ils restent chez eux quand il pleut comme ça. Le jeu qui stream hack, mais qui est totalement en fait. Hein. Je suis sûr que c'est comme Isaac. Hein. Vous savez, comme Isaac, quand on dit oh là là, je vais arrêter le jeu, franchement, c'est de la merde. Et paf, vous tombez sur Sacred Heart à ce moment-là. Et là, vous dites non, ouais, bon, allez. Je m'en refais une petite dernière. Hein. Pourquoi on entend du boum boum là? Il vient d'où le boum boum? Ouais, mais moi les commandes vocales marchent plus sur Isaac, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et voir. Et sentir. Et admirer. Y'a quoi là? Y'a du brouteur. Ah, du brouteur. Et du veilleur. Par contre, je passe par un site. Non, mais non, 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 non. Non, non. Je vais pas traverser à travers les trackers. Hein. J'ai pas très envie. Hein. Les trackers. Oh, oh, mais les T-Rex. Genre, les T-Rex me font pas. Du coup, j'ai vraiment arrêté. J'ai cru voir. Hein. Et autant les T-Rex géants me font pas peur, mais les trackers, je les déteste quoi. Mais des ennemis invisibles, qui fout des ennemis invisibles dans les jeux vidéal quoi. Qui se dit, tiens, oh, est-ce que j'irais pas là avant? Ouais. Hein. Il fou, il me suit ce con. Je vais mettre ça de côté. Donc il est là-bas, ok. Bon. On va pouvoir courir un peu là. Je regarde Twitter, je vois pas ce terrorisme. Je change jamais Twitter. En même temps, après, les hashtags qui te sont conseillés, c'est parce que t'as consulté des trucs, hein, c'est tout. Nous allons prendre un peu de hauteur. Oh, ils sont trois quoi. Hein? Ah, pour faire dodo, il éjecte ses trucs. Ils sont quatre. Oh. Je vais leur casser la gueule.
Attendez. Quête. Sur de grosses machines. C'est lesquels ceux-là? Les piétineurs, les carapateurs. C'est des carapateurs. Non, c'est les carapateurs ceux-là, non? Qu'est-ce que je. Sais pas sur quoi j'appuie. Les carapateurs. Ça. Non. Les carapateurs, ok. Donc ça, ça y en a à être. Moyen. Je vais. Dans. Mon lance-corde. Je choisis mon lance-corde. Évidemment. Puis. Hein? Ça marche pas. Dire ligoté, ligoté. Il est vénère. Ils font quand même vraiment exactement le même bruit que. Que le méchant dans Donkey Kong. Hein. Oh mais non mais. Là-haut. Là-haut, elle est énorme sur leur truc là. Non mais regardez ça! Ça fait 12 km de large quoi. Ses fesses là. C'est impossible, c'est juste impossible d'éviter. Pourquoi ça marche pas? Le ligotage là. Voilà, toi tu vas moins faire ton malin là. Arrête de bouger, arrête de bouger. Oh, oh le connard.
Ça dure le ligotement, c'est bien. Non, j'ai pas réussi. Ok, bon. Celui de la piote, elle se mange un machin de 4,5 tonnes dans la gueule. Et c'est bon, ça va. Ouais, non mais... Pas mal. Ah, j'ai tué le rat. Mais Mais pourquoi ça a pas marché enfin, ligoter les machines de taille moyenne. Mais attendez, je retourne voir le truc. Ils sont dedans, eux. Fitineur, carapateur. Vous obtenez une arme 1, le lance-corde qui peut tirer de nouveaux types de munitions. Ce défi de combat vous permet d'apprendre à l'utiliser. Vous entraînez. Mais c'est bien ce que j'ai fait. Je suis pas con. Enfin, si, mais enfin, voilà. J'ai quand même compris comment ça marchait, quoi. C'est chelou. Il est où? Il est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut que je récupère pour l'artisanat? Je sais déjà plus. Là, c'est du dindono. Ouais, c'est ça. Faut juste du dindono, en fait. Ouais, j'ai plus que du dindono à avoir, en fait. Les popos. Ouais, ça c'est fait. Merci. Vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire? La déchirure. Animent et corruption. Mais non, ça me servira à rien, ça. Elle a du maniment. Ça, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ça, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Euh, 42 gel, vas-y, ouais. 44 électricité, vas-y, ouais. Et là, on a maniement et corruption. Parfait, lui. C'est vachement bien, ça, par contre. Là-bas, c'est quoi? C'est des corrupteurs, enfin c'est des... non, je sais plus comment ils s'appellent. C'est toujours utile, mais très amer. Carapateur, mais c'est pas du tout un carapateur, ça. Un dent de scie. On va nager. On va nager. Oh merde, y'a des relous. C'est beau les étoiles.
Ah, Aloy, c'est une marathonienne quand même. Hein. Pas une marathonienne, c'est comment Merde, c'est comment l'épreuve là où ils font 100 000 km de course, 40 000 km de vélo, l'Ironman, c'est ça. Des gens un peu chelous. Et alors, il te fait un Iron Man tous les jours, quoi. Alors que les textures qui chargent. Je la préparerai plus tard. Tu l'as pas ? Bon, j'ai vu que ma fleur était en bas. Mais la peau de lapin, je l'avais déjà en fait. Eh oui, j'ai fait la blague avec la maîtresse en maillot de bain. Est-ce que vous pensez que je vais y aller comme un bourrin? Ouais, mais non, c'est mauvais, non. Bon, allez. Je risque de le regretter. Tellement. Bon, pas sûr. Voilà. Hop là. Voilà. Il a bien arnaqué là. J'ai eu ma petite fleur. Je suis très content. Ah, je peux avoir une autre petite fleur là. Avec une petite maison à côté là. Ça... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les... Attends, il y a des trackers, il y a des hautes cornes... Non mais ouais, je peux choper la fleur là. Puis la petite maison, après je reviens vers le feu de camp. Bon plan. Vous avez vu quand ça passe pas en courant. Deux petits sauts. Et c'est ok. J'en aurais sûrement besoin. Il y a le renard qui s'en va. Alors, Dancy Everywhere, ok. Faut que j'essaie de les contourner. Ah bah oui, regardez. Oh oui, non, ça devrait aller. Ça devrait aller, le mec, dit-il en se pétant la gueule. Que du booter ici.
Alors comment je fais pour ligoter les machines? Est-ce que les brouteurs c'est quoi? C'est des... Non, c'est plutôt petites machines ça. Oh, j'imagine. Ah, c'est ça. Bon. Appelez-moi à discrétion. Ah voilà. Et de deux. Il y en a un derrière. Non merde. C'est calme sous les arbres. Et de trois. Voilà. Ça c'est fait. Ça dure longtemps, c'est bien. Dindono porte sur son dos. Non, marche pas. Ça pourra me servir. Ah voilà. Bah de rien, ça m'a fait plaisir. Hein. Un jeu d'enfant. Donc faut aller par là. Je l'accueille. Et je devrais trouver ma fleur quelque part. Hein. Que c'est que ça va être. Et évidemment il fait nuit. Histoire de me faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si je prends de la hauteur, est-ce que j'arrive à voir? Oh, il y a du dindono là par contre. Oh, c'est l'île du dindono quoi. L'eau était peu profonde. Je crois que l'eau était peu profonde. Je suis pas sûr, hein, mais. Dindono. Regarde, il est là. Ok. Où est Dindono numéro 2?
Ça apaisera ma faim. Ah, elle est là, ma fleur. Ah, Dandono. Malheureusement, c'est toujours de l'os de dinde qu'on me donne. Hop. Fleur de métal. Fait. Oh, j'ai quasiment tout l'ensemble là. Ah mais là j'ai tout l'ensemble ici. Oh là là, mais c'est trop bien. Oh mais les mugs. Oh ça y est, j'ai les ensembles partout. Ça y est, j'ai de l'ensemble partout. Du coup, je peux continuer. Direction le feu de camp. Puis continuer direction le feu de camp. Là, je veux juste voir les... Voilà, des coureuses. Le feu de camp, il est là-bas. Là, c'est quoi? Des hautes pattes. C'est très bien pour eux. Piou 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 piou. Attendez, les hautes pattes, c'est considéré comme quoi? Hautes pattes. Piou 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 piou. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. La quête elle est buggée ou quoi? Je peux m'en sortir. Y'a la quête elle est buggée? Ouais non ça va, c'est un gentil. J'ai eu peur de me faire encore... De me faire avoir quoi. C'est ouf, ça ne s'arrête jamais. Hein. Ce jeu ne s'arrête jamais. Ah, il a un chouïa plus bas. Ah, mais on peut descendre par là. Traquiste. J'aime pas trop. Tout ça pour un feu de camp? Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'ils sont plusieurs? Ouais, ils sont plusieurs, putain. Salut certificateur, comment tu vas? Oh, je les aime pas eux quoi.
Genre je descends et je cours jusqu'au feu. Est-ce que je peux faire ça? Tu fais des crêpes? Oh là là, la chance. J'ai la dalle moi. J'ai pas pris de goûter. J'avais rien pour le goûter. Et est-ce que... Ouais, non, je vais descendre et je vais courir comme un con. Allez. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Regardez. Qu'est-ce qui peut mal se passer, honnêtement? Rien. Voilà. T'as vu? Hop là. Et donc là je l'ai trouvé. Et on pourrait même pousser le vis jusqu'à aller découvrir les animaux. Voilà. Hop. Donc j'ai découvert que ici c'était des coureuses, c'est parfait. Et donc je remonte là. Hop là. Faut que tu prennes des fruits à coque ou des fruits secs pour sportifs comme toi. C'est ça. La trêve n'est qu'une ruse. J'ai plus rien. Non mais j'ai plus. Non, je vous avoue, j'ai plus rien à bouffer. Enfin, j'ai. C'est une catastrophe. Faut vraiment que je fasse des courses. Le problème avec les courses, c'est qu'il faut les payer en fait. C'est un problème. Passe à la maison dans des crêpes. C'est vrai que ça me coûtait moins cher de faire la route. Plutôt que d'en faire moi-même. J'ai entendu un dadono, hein, non? Est-ce que comme moi, vous avez entendu un dadono? Non, ça c'est une oie, ça. Ouais, voilà, ça c'est une oie. Je fais des réserves. Ok, donc il y a un dent de scie en face. Ça marche. Bon. Ensuite, la suite. C'est bien joli débloquer tous les feux là. On s'emmerde un peu quand même, non? J'ai récupéré les feux, j'ai récupéré les... le temps que t'arrives, il est pas impossible qu'il n'y en ait plus. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ah bah en plus, voilà, si t'es avec des morphalous qui vont tout gober là. On s'en sort pas en plus. Hein. Tiens, j'ai une petite fleur de métal là. Fleur de métal. À côté des gros osios. J'avais quoi à faire? C'est bien gentil, mais... Est-ce que j'ai encore des quêtes? Ah oui, faut que j'aille casser la gueule à machin. À Ferdinand, là. Ah ouais, non, faut que j'aille casser la gueule à Ferdinand. J'avais oublié. Il m'a pété la gueule, il nous a tendu un piège, salaud. Oh, j'aurais dû me... De toute façon je vais faire une pause après. Oh non, je vais faire une pause après. Je vais casser la gueule à Ferdinand. Et juste après je lui fais... Je fais une pause, comme ça je vais pouvoir aller me décongeler du pain. Comme ça je pourrais aller me faire un petit bout de pain beurre. Il paraît que ton patron va t'augmenter. Putain, les nouvelles vont vite. Hein. Si tu as besoin d'aide, va voir ailleurs. Bon, malheureusement pas assez. Et en fait, en plus, je pense que je vais être exactement dans la même situation. Je pense que je vais être dans la même situation. C'est terminé. Oh. Si on en faisait un autre,
je te laisse me couper le doigt, ou une main, ou mon bras gauche. Mais c'est ma dernière offre. C'est tentant, mais je veux que tu passes le message à tes amis malhonnêtes. Malan, c'est moi. On n'appartient à personne. Oui, avec plaisir. Je dois leur dire quoi? Raconte-leur comment tu as failli y rester. Sois créatif, c'est ton talent. Ne m'oblige pas à revenir te parler. J'ai compris. Tu n'entendras plus jamais parler. Attends, attends, j'arrive, je parle à Ferdinand. Et donc ouais, je pense que je vais être exactement dans la même situation, c'est-à-dire pas avoir de thunes. Parce que je m'augmente, mais derrière, il est très probable que ça me baisse ma prime d'activité. Que ce que je m'augmente, derrière, c'est la prime d'activité qui baisse, quoi. Donc finalement, j'aimerais pouvoir faire des pauses plus souvent, mais... ça va revenir au même. Le feu, il est où ? Allumer le feu. On retourne au feu de camp. Où j'étais il y a deux secondes. Après, je suis content de m'augmenter, hein, mais... Mais c'est pas pour ça que je vais être plus riche, quoi. Enfin, moins pauvre. Hop ! Allez ! Tac ! C'est enregistré. Et j'avais dit, on ferait une pause. Eh bien, on va la faire. Des bisous, YouTube !